direct. On démarre le 15 secondes, mon Jordan. Non, je veux pas y aller. Avec Sophie. Et puis voilà, bien sympa. Hein, bah écoute, pour le moment. Hein. Enfin, faut dire, on est au, on doit être au 100e mètre. Bon, les amis, nous sommes toujours en vie, hein, Sophie. Fort heureusement. Ouais, puisque nous ne sommes qu'au début de cette UTCA, du coup. On est au 6e kilomètre, un peu plus maintenant. Et puis bah, là, on se dirige vers le GR34. Pour aller faire du sentier côtier. Un peu brumeux, mais c'est génial, ça donne l'ambiance. Oui. Bah, limite, on se croirait dans les bouquins de Stephen King. Mais vraiment super chouette. Pendant ce temps, bah, hâte d'être sur le sentier. Hein. Bah, c'est ça. Beau là, c'est super beau. Donc à peu près, faut compter à peu près encore 8 km je crois. Et après on est sur sentier tout du long jusqu'à piquer sur l'Agnon en fait. Voilà. Très très beau paysage à l'approche de Pérouse direct. Hein. Ah oui. Ouais, ça vaut vraiment le tour. Et là on voit un peu l'enfer. L'enfer qui nous attend les amis. Tout ça pour s'arrêter. Exactement. Sur les abords du... Pas encore sur le GR, mais on va pas tarder, je pense. On aperçoit là-bas, en fait, un petit peu le sentier côtier. Le soleil, les amis, est très très beau. Sur la mer, très très calme, super joli. Et là, en face de nous, nous avons... Bah une côte. Voilà. Et sinon, bah écoutez, on est toujours là au 14e. Pendant ce temps, c'est plaisant. On attend vraiment d'être sur le sentier pour en avoir plein les yeux. Bon, petite conclusion rapidos du début de ce trail. Venez pas en Bretagne, c'est de la merde. Non, évidemment, je le déconne, c'est très 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 beau. There isn't much more to say, just like before. If there is another light, but... Ça y est les amis, nous sommes sur le sentier. Enfin. Et c'est parti pour... Je crois un truc comme... Il doit bien avoir 50 km de sentier comme ça. Avec des racines, des cailloux, des serpents, des scorpions, des dragons. Sophie qui gueule. Sophie qui gueule. Donc en fait c'est un mix de tout. Bah c'est parti, on part du premier ravito en fait qui était à 18 km 500. Voilà, on a eu nos chiris respectives qui nous ont fait l'assistance, donc Audrey et Thomas pour Sophie. Voilà, et là nous avons Audrey qui nous prend en photo l'assistance 2.0. Voilà, voilà, et toujours des paysages très beaux. Bon, vous l'avez compris.
compris, on est sur les sentiers, les paysages sont très 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 beaux. C'est difficile de tout filmer tellement il y en aurait tellement. Puis je pense que je me ferai engueuler par Sophie parce que ce serait une vidéo, je pense, qui serait montée au bout d'un an, un an et demi. Et je sais qu'elle affectionne particulièrement ce genre de choses, n'est-ce pas Sophie? Il va nous donner des paysages incroyables sur cette vidéo. Oh, il y a un ciel bleu, c'est incroyable, il fait déjà une chaleur pour un mois de février. Il est 9h26. Et vous voyez, je suis en t-shirt, j'ai sûrement levé les manchettes dans pas longtemps. Voilà, incroyable. Oh oui. Donc nous arrivons au ravito du 26. Bon, il est grand temps de nous faire un petit point course. Je cherche mes mots. C'est le point course. Sponsorisé par Stéphane Running. Vas-y, tu le fais bien, toi. Stéphane Running. Stéphane Running, qui est lui-même sponsorisé par Stéphane Cycling. Bref, on est au 27500. Bah écoutez, on n'est pas déçus. Il y a un ciel de fou. Les paysages sont absolument magnifiques. Sont vraiment très 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 beaux, magnifique. On vient de faire une succession de points culminants comme ça là, qui surplombe la mer. C'est vraiment super beau. Hop. Et puis franchement, vraiment magnifique. Je pense qu'on était atteint une des parties techniques, je sais pas, sans grande difficulté comme trail, mais il y a des petits points comme ça. Hop. Que l'intégralité de mes vidéos est sponsorisée par Stéphane Running. Oui, Stéphane Running. Ainsi que la chaîne de cycling, Stéphane Cycling.
Bon les amis, c'est l'heure de ce petit bilan de course. Combien de kilomètres s'il te plaît Sophie? 36 340. 36, elle a dit. Et 4h15 de course. Dans des paysages à couper le souffle. Pour ceux qui connaissent, en fait, le paysage est quasiment... ça ressemble étrangement à l'ultramarin. Bienvenue dans le pays du Graal, les amis. Avec une petite côte grassouillette. Là, l'objectif va être de pas perdre les chaussures dans cette bouillasse bien sympathique. Bon, bah voilà. Voilà, ça c'est fait. Sophie, t'as envie de dire quelque chose à la caméra? De toute façon, c'est ta dernière trace de quand t'étais en vie. Non, bah ça va, c'est cool. Très surprenant. Je pensais être dans le dur un peu plus tôt. Pour le moment, tu vas toucher de la peau de singe, ça va bien. Donc voilà, ben, on va se remettre à courir. Pour l'apéro. Et on en a encore. Hein. Ouais, mais nous on est au-dessus de ça, quoi. Non, mais... Tu sais, le dopage dans le sport, c'est pas beau. Ouais, mais ça se fera pas. Quoi. D'ailleurs, toutes mes vidéos sont sponsorisées par Stefan Running. On aime, on met le petit pouce bleu et on s'abonne et on fait la petite cloche aussi hein, pour Stefan Running. Voilà, des bénévoles au top. Bravo, impeccable. Okay. Aussi chouette, des super paysages. Voilà, arrivé à ce ravito, il nous restera du coup, si j'ai bonne mémoire, 28 km. C'est ce que je disais à Sophie tout à l'heure. On a sur cette UTCA un petit côté Quiberon, côte sauvage et tout ça. J'avais fait cet été en vidéo en off et j'avais particulièrement apprécié. Et là c'est vraiment très très beau, c'est du paysage marin. Alors voilà, par contre c'est un contraste, hein. On quitte des paysages marins pour se retrouver entre des champs et des fermes de temps en temps, mais ça reste un très très beau trail avec vraiment énormément de paysages sublimes, un soleil encore une fois pour la période qui est assez hallucinant, enfin tout est réuni pour passer un bon moment. Repetit point sur cette magnifique course. Ouais. Toujours sponsorisé par le site internet Stefan Running. Non, je déconne. Il faut qu'on arrête avec ça. Non, 50e, donc 28 km, il nous reste. Bon, les amis, toujours dans la course. Hein. 54e exactement en kilomètre. Je suis super étonné des barrières horaires sur ce trail. Bon, j'en rediscuterai sûrement quand je ferai le débrief, mais. C'est assez hallucinant, c'est une vraie autoroute.
so much grossest line. Bon, les gars, il est temps de se faire un petit check course à 64 km. Il nous reste exactement 14 bornes pour franchir la ligne d'arrivée et 4 km avant le ravitaillement, l'ultime dernier ravitaillement de cette course. Come on, my friend, make the darkness bright. The end of my pain is coming soon. Bon. Eh ben c'est pas facile hein. Je suis au 66e kilomètre. Donc il me reste exactement 12 km à parcourir sur ce UTCA. Là vivement le ravito dans 2 km. Bon bah là je marche, je sais pas si ça se voit bien la caméra, mais petite côtelette sur route qui bah, canne bien les jambes hein, visiblement. Voilà, il me reste un tout petit peu plus d'un kilomètre avant d'arriver sur ce fameux dernier ravito. Est-ce que tu sens ma perplexité sur ça? Ça va piquer les cannes. Bon les gars, avant de me tuer, je vais faire un petit point course. Hop, pour vous dire où j'en suis. Alors, comme c'est pas en direct, on s'en branle, tu me diras. Et... grosso modo, on est au 71 500. On approche de la fin. Petite parenthèse, que je me moquais de la chaîne de Stéphane, Running. Pas dans un sens méchant, bien entendu, les amis. C'est parce que c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, qui fait des vidéos qui sont vraiment très très bien. Je vous conseille d'ailleurs, et je mettrai le lien dans la vidéo, bien évidemment, pour aller voir un petit peu ce qu'il fait. Et on sera ensemble sur les Coterelles de Paris. C'est vraiment un gars en or, qui fait de très 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 belles vidéos. Voilà, petite parenthèse faite, les amis. Moi, je continue mon trail. Je le redis encore une fois, c'est un beau trail. Alors c'est pareil, il y a des portions qui sont bof, mais sur tous les trails, en fin de compte, vous aurez du bitume, vous aurez du gras, vous aurez... Mais là, pour le coup, vraiment un très beau trail que je recommande. Bon les amis, un bon ultra sans sa petite dose de sadisme à la fin, bah c'est pas vraiment un ultra. Hein. Plein de côtes, mais costaud qui m'attend devant moi. Bien bitumé, bien comme il faut, bien verte. Le truc, même les voitures le prennent pas, je pense. Et bah, on va regarder ça tout de suite. Hein. Donc, je sais pas si on va voir à la caméra, mais nous, c'est là qu'on va. Et putain de ça grimpe, ça race. Voilà, on arrive à la fin. Je crois que j'entrevois la salle. Si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Merci, merci. Tour des Côtes d'Armor, c'est terminé. Ce que je pense de ce trail, très brièvement, c'est un très beau trail. Les paysages sont vraiment magnifiques. L'organisation doit se roder un petit peu, mais c'est normal, c'est une tout jeune organisation. Mais en tout cas, c'est un très 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 beau trail. Les paysages sont vraiment incroyables.
Juste, j'en profite pour faire un énorme big up à ma pote Sophie qui a couru avec moi sur cette ultra trail. On s'est vraiment éclaté, ça a été super, le temps est passé ultra vite, mine de rien. Ouais, je sais que ça peut paraître paradoxal, mais 10 heures de course, en fait, c'est passé à une vitesse dingue. J'en profite pour remercier aussi tous mes potes. Tous vos messages m'ont fait super chaud au cœur, que ce soit avant, pendant ou après la course. Moi, pour ma part, bah maintenant, il me reste plus qu'à vous donner rendez-vous pour un nouveau run solidaire contre la sclérose en plaques. Et ça sera dans 2 semaines, très précisément, à l'Écotrail de Paris, où on sera toute une bande à courir le 80 km, dont Sophie et surtout, dont Stéphane Running. Allez, salut, à bientôt!